Et coucou, j'espère que vous allez bien. Allez, un petit moment. Comme j'ai dit, il fait trop chaud pour scraper. Attendez, ah, je ferme parce que Ruby est bruyant. Donc, oui, il fait beaucoup trop chaud. Donc là, j'en profite. Il doit être à 8h. Donc, je me prends au réveil là, mais à la fraîche. Du coup. Je voulais faire un petit happy mail. J'ai deux échanges à faire pour le. Non, trois échanges à faire pour le mois de septembre. J'en ai un qui finit. Bucket letter. Et j'ai aussi un sketch et un grand tag. Voilà, tag géant sur là, je vais faire. Alors, je dis pas pourquoi je fais les appuis mails, pour lequel, mais voilà. C'est un appui mail d'après une image que j'ai vue sur Pinterest, donc pas quelque chose que j'ai inventé. Hein. Je vous mettrai, si j'y pense, si j'oublie pas, parce que ça, c'est un truc à chaque fois, j'ai tendance à oublier, de mettre le lien de là où j'ai vu l'image. Alors là, je me suis vraiment basé sur l'image. Hein. J'ai vu l'image, j'ai fait, bah tiens. Je me suis basé en fait, parce qu'en plein milieu, il y a une enveloppe, et du coup, je me suis basé sur l'enveloppe. Voilà, ça c'est mon gabarit. Je me suis basé sur l'enveloppe. Alors, pour l'enveloppe, j'ai pris la punch board d'action là. Donc, il vous faut un papier déjà, si vous voulez faire l'enveloppe. Qui fait 21 par 21, voilà, carré, et on peut enfin le traçage à 8,8, ce qui fait à peu près une enveloppe de 15 mm par. Alors, c'est approximatif parce que j'ai fait ça hier soir, il fait l'arrache, ouais, 15,5 par 11,5. Donc, en fait, je me suis basé par rapport à l'enveloppe. Oh, j'ai me mouché. Du coup, ça c'est pour l'enveloppe 21 par 21. On fait un traçage à 8,8 et après on fait. Ben, c'est un punch board quoi. Ensuite, il vous faut une feuille. Alors moi j'en ai pris trop parce que je sais pas là, je fais vraiment l'arrache avec vous. J'ai rien coupé, j'ai rien tracé, j'ai rien plié, bref. Ces feuilles viennent de je sais même pas s'il me reste si c'est là voilà. Alors, ben, je veux dire que là en ce moment je fais les fonds, mes fonds, mais tous les fonds de base que je peux avoir, feuilles blanches comme ça de base, j'essaie de tout finir un maximum. En racheter donc une feuille qui fait 29, avoir coupé les 0,7, 29 sur 16. Voilà. Je fais j'ai un gros fouillis parce que sans bureau, ce que comme je fais en ce moment, 29 par. Voilà. Comme je fais en ce moment, je pose, et puis je retiens ta voix. Alors, les plis. Donc, je me suis fait par rapport à l'enveloppe, pareil. J'étais ça tout à l'heure. Alors, un premier pli à 6,5. Du coup, je fais avec vous un autre à 7,5, un autre à 20, et un dernier à 21. Ouais, j'ai un bel machin parce que ça gênait pour tracer les plis. Et que pour couper, j'ai ma guillotine.
Au moins, il n'y a pas d'effilochement ni rien, c'est nickel. Voilà, ça donne ça. Désolé. Ah, c'est bien de devoir nettoyer la piscine, hein, mais je suis celle qui se dévoue, donc à un moment donné, bah, quand j'y vais le matin, à la fraîche, bah, un peu un petit rhume. Donc, voilà. Alors, l'enveloppe, je la mets pas tout de suite parce que tout dépend du papier que je vais mettre ici. Je ferai, je sais pas encore. L'enveloppe, elle viendra se mettre. Voilà, l'enveloppe, en fait, elle viendra se mettre au milieu ici déjà. En fait, ça va faire une pochette. Et je regardais, ouais, c'est pile poil. Alors, il y en a qui font carrément où il n'y a pas de pli. Et en fait, c'est un peu. Ça se. C'est bombé en fait. Enfin, bref. Moi, je préfère faire comme ça. Ensuite. Après, je me suis un peu inspiré parce que je ne vais pas faire exactement comme elle a fait. Enfin, apparemment, il n'y a pas de. De gousset. Donc, moi, je veux des goussets. Donc, ensuite, on va faire deux morceaux. Alors, le problème, j'ai rien calculé, j'ai mieux. Hein? Mais compris. Du coup, là, il y a 12 ennemis. On va prendre des morceaux qui font. Ouais, 11. 11 et la moitié de ça. 16. Donc, 11 par 9. On va faire deux morceaux qui font 11 par 9. Je coupe déjà sur les 11 et je coupe deux morceaux qui font 9. Voilà, j'ai deux petits morceaux de 11 par 9. Sur ces deux morceaux, je fais un pli à 1. Sur les 9, je fais un pli à 1. Hop. Alors, si vous voyez du papier commun, faites attention, il y a un côté texturisé. Hein. Moi, j'aimais qu'il apparaisse ce côté-là, texturisé. Bon. Hop. Et on vient les coller. Alors attendez. Parce que si je fais ça. Oui, il est juste avant. Non, on va pas les coller tout de suite. On va les mettre de côté, ce qu'il faut deux autres morceaux qui reviennent encore par-dessus. Donc, il faudra encore deux papiers comme ça. Mais là, vu que je vais mettre un gousset de 0,5. Ça va faire 9,5. C'est ça. Donc deux autres qui font 11 par 9,5. Donc j'en fais 11. Et ce coup-ci, 9,5. Voilà, 9,5. 11 par 9,5 pour les deux autres. Et là, je fais un pli à 1 pour faire la pâte de collage. Et un petit gousset de 0,5, donc 1 et 1,5. On fait pareil sur l'autre. À 1 et 1,5. Et hop, et ces deux-là viendront se placer ici, comme ça, et eux, comme ça. Vous voyez un peu le principe, quoi. C'est
Il y a un par-dessus. Là, ça va venir là, ça va venir par-dessus. Et là, c'est des goussets de 1 cm. Donc, ça viendra comme ça. Voilà. Ça fera la pochette. Donc, je sais pas en quelle vidéo je vais la faire, cette vidéo. Peut-être en 2 ou 3 fois. Donc là, je vais faire vraiment tout. Alors, on va d'abord coller. J'aime encore mon verre, je veux dire, hier. On va d'abord coller ce pour le gousset. Hop. On vient centrer. Alors, moi, c'est un peu à l'œil que je fais. Hein. Voilà. Alors, je biseaute pas parce que bon, là, c'est pas comme si ça allait jusqu'au bout en fait. Non, dans tous les cas, on ne verra pas. Alors, ce que je vais faire, par contre, je ne fais pas un point à lui. Mal placé. Que je me bouge. Donc voilà, et on vient placer les deux autres. Les deux autres. Juste là en fait. Hein. À la limite. Attends, pas sur la pliure de celui-là. Je sais pas quelle température vous avez chez vous. Donc c'est ce week-end, il prévoit encore 35 demain je crois et 38 ou 39 dimanche. Voilà. Heureusement que j'ai la piscine. Je suis de tout cœur avec ceux qui sont en appartement. Je plains ma fille. Voilà. Je suis de tout cœur avec vous. J'envoie de très fortes pensées. Parce que je peux te dire que là, la piscine, je l'apprécie. Même s'il faut que la nettoyer. Juste à rentrer dedans pour nettoyer, même ça, j'apprécie. Et voilà. La base est faite. Tac, tac. Tac, tac, tac et tac. Notre base est faite. Alors là, je pense que je vais faire un peu comme j'ai vu sur l'image, c'est-à-dire deux petites attaches parisiennes, puis je vais entortiller avec une ficelle. Je pense que c'est ce que je vais faire pour fermer ici. Après, on pourrait mettre, je sais pas, couper une petite bande, faire un truc comme ça et mettre un scratch. Voilà. Alors, je vais regarder un peu quel papier je vais mettre parce que c'est par rapport à l'enveloppe que je vais faire là. Parce qu'après ici, si je donne que des idées parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Vous pouvez faire des petites pochettes droites comme ça. Vous pouvez en faire un triangle. Je pense que d'ailleurs là, je vais faire deux pochettes triangles. Là, ça va être deux pochettes droites. Là, je vais faire des gabarits de pochettes entières. Et là, ce sera que de la déco. Ouais, c'est ce que je vais faire. Et là, ici, il y aura une pochette aussi. Et là c'est sûr, c'est une pochette. Ouais, pas pour ce qui me reste en chute. Ouais, je vais prendre ce bout-là. Qui fait donc on a dit c'était 16 18 par bah je t'ai fait combien là par 5 donc 18 par 5
Enfin. Ah, c'est rare que je fasse le découpage et pliage avec vous. Enfin, vous avez compris quoi. En général, je prépare tout à l'avance. Bref, là, on est réveillé, je me prends. Yeah, allez, vas-y. Une vidéo pour moi qui fait frais. Alors, j'aurai moins de vidéos par semaine. Même pour l'année. Même en sept, pas à septembre. Il n'y aura peut-être que deux vidéos. Juste parce que. Juste parce que mon fils porteur de handicap, jusqu'à maintenant, il avait une auxiliaire de temps en temps. Là, il y aura auxiliaire de vie plus éducatrice. Peut-être un stage en IME en septembre. Croisons les doigts, très fort, que ça marche, que ça puisse y rester après. Donc oui, beaucoup de déplacements, beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'allers-retours. Voilà, même si je travaille pas, j'ai quand même mon fils à gérer. Donc, et que du coup, cette année, je ne refais pas les échanges comme cette année. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. C'est. Avec des gens que je connais très bien, ça va très bien. D'autres que je connais moins bien, c'est un peu compliqué. Je sais que je fais déjà beaucoup d'échanges avec Amélie. Et là maintenant, avec Karine, après tous les 3 mois, on fera des échanges. Donc, ce sera assez régulier. Puis après, j'ai pas mal d'échanges sur le groupe Rien pour plaisir. Donc, voilà, une pochette en bas. Là, eh bien, écoutez, on va faire. Moi, personnellement, je vais faire 2 pochettes. Alors là, il n'y aura pas de neuf. On va la faire monter jusque-là, à peu près. 9 par 8. Là, j'ai quoi? Ah, pas assez. Alors, un carré de 9 par 8 et on vient couper. On vient couper au milieu. Bon, la guillotine pour ça c'est un peu plus chiant, je trouve. Ça me prend pas la tête avec les guillotines. Que je me trompe pas de sens en plus. Ce serait ballot. Bon, je pense qu'après je m'arrêterai là. Vous avez. Vous avez la base. Ah, j'ai pas fait de crotte. Un pli à 1. Hop, et un pli à 1. J'ai oublié de le faire avant de couper. Même chose, mais dans ce sens. C'est ça, dans ce sens-là. Un pli à 1. Et un pli à 1. Tac. J'ai pas pensé à faire ça avant, donc du coup, tac. Tac. Bon, je roule la fin de pire.
Et il est parti. Hop. Ça commence à chauffer. Et après, il a fait excessivement chaud dans ma pièce, donc. Bon, bah, ça fera deux petites pochettes comme ça. C'est juste pour faire tenir un truc. Ici. Surtout, je ne sais pas quoi dans le bon sens. Cas, faites un carré, vous coupez au milieu, faites des languettes pour à gauche et en bas et à droite et en bas. Voilà, c'est histoire d'avoir une pochette pour en mettre quelque chose dedans. Et je vous dirai, les pochettes, j'arrive même plus à les faire directement dans le papier déco. Ça va éviter de faire du gaspillage de papier aussi. Voilà. Je vais juste chercher un papier pour faire l'enveloppe avec vous. Je m'arrêterai là après. Voilà, je cherchais ma punch. Et j'ai, du coup, j'ai choisi ça. Voilà. Il fallait absolument que j'utilise. Le bloc que Frédéric m'avait offert. Voilà, fallait que j'utilise la licorne. Alors, pour celui-là, on va utiliser. Ah, je réfléchis. Mais après, celui-là, je pense. J'aurais pas un truc avec du sens. Est-ce que j'ai encore assez? Ouais, pile poil. Pile poil. Allez, un carré de 21 par 21. Là, ça fait déjà 21. Hop, nickel. Alors, sur le carré de 21, toc toc, j'ai dit, j'ai pas inventé, hein, c'est là. Un truc de 18 par 15, 3, 21 par 21, et on fait un 8,2. Pourquoi? Moi je me suis basé sur ça en fait. Évidemment, j'ai pas pris une miette et je vois rien du tout. Et la petite 8,8. J'espère que si je prends petit. Bon, ça le fait. Ça le fait. Hop. Tac, et le dernier. Tac. Je vais chercher ma petite. Ma petite perfo. Ah, si je dis, mais il manque des pas. Non, non. Réservé, je ne le voyais pas. Tac. Hop, maintenant les petits coins. Ça, c'était un de mes premiers trucs que j'ai acheté quand j'ai fait du scrap. 3 ans, c'était vraiment le premier dans les premiers trucs et je l'ai encore et ça fonctionne très bien et voilà. Hop. Bon, moi l'intérieur n'est pas c'est pas il y a rien mais c'est pas grave de toute façon il n'y aura pas. Voilà, voilà. Je vais voir si je me suis dit des couleurs ou pas. Hop. Hop, je colle.
Alors, ça me demande, c'est là. On le propose. Ce que t'as qui tue, elle fait franchement gondoler, quoi. Là, j'aurais pu t'y attaquer, le remarquer. Mais quand c'est j'ai collé du papier déco, j'évite. Voilà. Et ça, on va venir le mettre. Bon, je le ferai après parce que je serai mettre. Et ben, vous voyez, pourtant, j'ai fait comme. Exactement, ben voilà. On arrive en direct. J'ai fait comme c'était marqué. Mais comme c'est pas le même papier. Pense à un papier qui va atteindre par l'intérieur aussi. Pourquoi il est plus petit? Oui, la terre. Ah bah non, pas mal lui là, pourquoi? Comment ça se fait? Ah, avant que ça. C'est pas grave. On va y arriver. Bon, je vais retailler d'un côté. J'ai un peu galéré. Du coup, je me suis pas pris la tête. Mon carré, du coup, je l'ai recoupé 20,5 par 20,5. Voilà, vous l'avez ici. 20,5 par 20,5 et on trace à 9,2. Et ce qui vous donne, ça rentre normalement aussi très bien. Voilà. Et ça viendra se mettre comme ceci. Voilà. Ouais. Un petit trompage de 0,5. Et voilà pour la première partie. Eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une seconde partie. J'espère que ceci vous plaira. À part mon petit cafouillage de mon enveloppe là. Mais j'y étais presque. Bon, surtout que là, j'ai fait vraiment à l'arrache. Je ne prends aucune mesure. Je fais tout vraiment. Je sais pas vraiment du tout. C'est par rapport à l'image que j'ai vue. Donc. Allez, sur ce, passez une excellente journée ensoleillée. Enfin, j'espère que chez vous fait beau. Moi, je vais profiter encore du soleil. Enfin, il faut encore que j'aille nettoyer la piscine, comme tous les jours. Et faut que je ressorte sous la chaleur. Bref, bye bye, à plus tard.